Et l'invité de la rédaction, on est ravi de l'accueillir. Anne Ernwein, comment allez-vous? Ça va, très bien. Voilà, c'est un pur bonheur de l'avoir, chef de l'agneau à Pfaffenhoffen. Ce restaurant a été créé en 1769, 20 ans avant la Révolution française. Oui. C'est un truc de fou quand même. Ouais, bah, la preuve, on est toujours là. Mais effectivement, on a résisté. Hein. 250 ans d'histoire, 7 générations. On va rappeler qu'en 1769, c'est Christian Aschner, c'est ça? Oui. C'est l'aïeul? C'est l'aïeul, oui. Et il décide de créer à Pfaffenhoffen une auberge. Une auberge. Et au départ, c'est quoi en fait cet endroit? Ben, cet endroit, c'était une bergerie qui accueillait les bergers qui revenaient de leur... Et donc après, il a décidé d'accueillir les bergers pour loger et puis les moutons à l'étable. Donc il a créé un petit peu une auberge, faire une restauration un petit peu avec différents produits locaux. Ouais. Et donc il y avait des tricoteurs de bas. Bah, ils utilisaient la laine des moutons hein, donc, pour tricoter drôle, les bas. Hein. Et puis les bas étaient utilisés pendant la guerre de Russie pour les soldats. Voilà, ça c'est vraiment votre histoire. Voilà. Alors soit 20 ans avant la Révolution française, l'aïeul il est aubergiste, sauf que aubergiste ça ramène quand même pas assez de sous. Donc il est également brasseur, huilier, oui. Il fait de l'huile, oui. Distillateur. Distillateur, oui. Voilà, là où la distillerie était, c'est notre cuisine d'été qu'on a actuellement pour notre jardin. Et il était tonnelier aussi. Voilà, tonnelier. Voilà, et Madeleine, c'est sa femme. Et elle fait un petit peu le service. Et surtout, vous venez de le dire, elle tricote les bas des soldats de la Grande Armée pendant la retraite de Russie. Tout à fait. Ouais. C'est un pan d'histoire de France que vous portez dans ce restaurant. Oui, oui. Une belle histoire et puis qu'on essaie de perdurer avec ma sœur maintenant et puis j'espère encore pour quelques années. Alors la cuisine c'est pas du tout la même, vous allez voir le pédigré de Anne, on va juste rester encore un tout petit moment. On va rester raisonnable quand même. À l'agneau à l'époque on prépare des mets issus de la production de l'élevage local, des harengs salés, oui. Des légumes du jardin accompagnés de bières brassées maison. Aujourd'hui vous en faites-vous de temps en temps des harengs salés, des choses comme ça? Oui, ça nous arrive, ouais. Ouais, durant la période hivernale un petit peu, on fait notamment un petit buffet qui reflète le pays du Père Noël, avec des mets scandinaves, norvégiens, du Danemark. Donc on rappelle un petit peu tout ce qui était harengs salés, les haddocks, les flétans. Donc on ramène un petit peu cette histoire-là. Qui est servie, effectivement. Alors qu'on voyait ces images-là, ça a changé depuis. Hein. Eh oui, voilà. Eh oui. Heureusement d'ailleurs. Hein. Quand est-ce que justement l'agneau devient le restaurant gastronomique comme on le connaît aujourd'hui? Ben, quand papa a repris l'entreprise en 62, donc ils ont transformé tout ça avec maman. 63, c'était vraiment le grand pas. Mmh. Et puis jusqu'en 2005, lorsqu'il est tombé malade, ben, c'est moi qui ai repris les rênes avec maman à la tête. Et 2007, ma sœur et moi-même, nous avons repris l'entreprise. C'est des femmes aujourd'hui qui tiennent l'agneau à Pfaffenhoffen. Ben, ça a toujours été des femmes qui tenaient l'entreprise depuis après l'oncle Louis. C'était l'oncle à papa, ouais. Qui était un cuisinier et puis qui a donné un petit peu le filon à papa, et qui lui a donné un petit peu l'amour de ce métier, qui lui a partagé certaines choses et donc il a transmis. La transmission est importante en ce moment. Mmh. Et puis, c'est le message qu'on veut faire passer un petit peu à travers notre métier aux jeunes. Voilà, aussi. Et c'est 250 ans d'histoire. Papa vous a vu cuisiner? Oui, c'est papa qui m'a formé. Ouais. Donc, c'est lui qui m'a tout appris. Et il est toujours présent dans nos cœurs et il nous regarde là-haut. Ah bah là, il doit être fier. Il doit être fier. Hein. Voilà, on va rappeler quand même un petit peu le pédigré hein, de Anne de la Fille. Vous êtes passé chez Bernard Loiseau, ouais. À ce lieu, chez Georges Blanc à Venasse, à Arla, chez Joël Garraud à l'Ermitage à Monaco, à l'école de Ducasse, oui. Aussi. Et vous avez été la première femme à intégrer l'association des maîtres cuisiniers. C'est Fernand Michler, voilà qu'on connaît bien, qu'on aime beaucoup, qui vous y avait poussé. Vous vous sentez aujourd'hui l'héritière d'une tradition, de patrimoine, de culture culinaire? Oui, parce que déjà, on veut faire perdurer notre maison. Et puis, hier soir, nous avons fêté en grande pompe notre événement, notre anniversaire, avec plusieurs chefs de la région qui ont été présents. Plus de 25 chefs de grandes maisons, des 2 étoiles Michelin. Et donc, je voulais les remercier, les associations des maîtres cuisiniers de France, les chefs d'Alsace, Prosper Montagnier, les maîtres cuisiniers de France, les étoiles d'Alsace aussi qui étaient présents. Oui, bien sûr. Et donc, toutes les associations dont je fais partie étaient présentes pour nous soutenir hier soir pour cette
pour ce bel anniversaire. Alors regardez ce qu'elle nous cuisine assez régulièrement. Comment vous définiriez, Anne, votre cuisine à l'agneau? C'est une cuisine évolutive au goût du jour, ouais, avec les produits de saison. Et on marie les saveurs d'ici et d'ailleurs. C'est à travers mes voyages que je fais avec mes sœurs pendant nos congés. On ramène différentes saveurs exotiques et on essaie de les marier avec des produits locaux. Et ça se marie hyper bien. Un restaurant qui est à la campagne, hein, à Pfaffenhoffen. 35 km au nord de Strasbourg. Ouais. Donc on est un petit peu éloigné, mais bon, je veux dire que les Strasbourgeois viennent nous voir. Ils ont envie de sortir de la ville, aller à la campagne, s'aérer. Ah, c'est une vraie bouffée d'oxygène. Et prendre une belle bouffée d'oxygène et de bien manger. Eh ben, on reviendra sur les petites festivités que vous avez imaginées pour ces 250 ans.